Guillaume, bonjour à toi. Bonjour Nicolas. Voilà, je suis très content de venir te voir. Voilà, on a eu un échange très sympathique par internet. Je suivais tes aventures de cette structure que tu as là, que tu vas nous expliquer tout ça depuis un petit moment. Et voilà, il fallait que je vienne te voir aussi de par ton parcours. Voilà, on a évoqué un peu nos affinités, l'amour de ce métier, etc. Donc je suis très content d'être là. Tu as un endroit qui me parle beaucoup. Ce côté cosy, chaleureux, moi j'adore ça. Donc là, tout de suite, j'ai été séduit par le décor et tout. Donc je suis, voilà, j'aime bien ces endroits comme ça. Il faut que tu nous racontes ton parcours. C'est un peu l'idée. Voilà, tu passes un peu, tu rentres dans la famille, comme on disait. Donc que tu nous racontes un peu ton parcours. Qu'est-ce qui fait que tu en es arrivé là aujourd'hui et tout ça. Bon, bah déjà, Nico, je suis très très content de te recevoir. Voilà. Parce que je te renvoie l'appareil. Je te suivais également via tous nos réseaux. Oui. Donc voilà, je suis très content de te recevoir, de rentrer dans la famille. C'est un mot qui me parle. Ça devient une petite famille, ouais, c'est ça. C'est un mot qui me parle beaucoup et qui est très important et qu'on essaye de développer beaucoup ici. Voilà, donc c'est très très chouette. Ouais, ben voilà. Donc je te remercie d'être venu. Ben écoute, voilà, c'est fait, c'est bon. Voilà. Alors mon parcours, je te le fais un peu dans les grandes lignes. Ouais. Formation d'ingénieur du son en 1999. N'est-ce pas? À la SAE à l'époque, diplômé en 2000. Et tout de suite, création d'un petit studio. Tout de suite. Alors, ce n'était pas trop la mode dans les années 2000, puisque les home studios n'étaient évidemment pas développés comme maintenant. Mais voilà, tout de suite, j'habitais une petite maison en Normandie et on a monté un petit studio. On faisait les prises dans la cuisine, les voix dans le salon. Enfin, voilà, c'était les prémices du home studio. Et un peu victime du succès à l'époque. Parce que, paradoxalement, les artistes n'avaient pas beaucoup de lieux alternatifs pour enregistrer il y a une vingtaine d'années. Il n'existait pas toutes ces mini-structures qu'il existe maintenant. Donc du coup, décision prise en 2004-2005 de monter le premier vrai studio. D'accord. Donc en Normandie. Alors que j'ai connu à l'époque, pour la parenthèse, parce que j'ai des amis musiciens qui étaient venus enregistrer. Alors, dans ton studio, c'était pas toi qui avais fait le truc. C'était Monsieur Sébastien Lang, à l'époque, qui travaille toujours, qui travaille toujours en Normandie, avec qui j'ai plus trop de liens, mais avec qui on a gardé, on a gardé une amitié. Donc premier studio, vrai studio entre guillemets professionnel, donc studio résidentiel avec un gîte en pleine campagne, dans les champs. Donc ça avait beaucoup de charme, c'était chouette. J'avais eu les yeux un peu plus gros que le ventre. J'avais fait deux studios. Il y avait un A, un B, le gîte. Ouais. Voilà, je pense que j'avais eu les yeux un petit peu plus gros que le ventre, pour changer. Structure un peu compliquée à faire tourner. Le résidentiel, c'est difficile. C'est pas évident. C'est pas évident. Alors, ça tournait, ça tournait, mais je m'en suis un petit peu. La Normandie m'a un peu lassé. Et j'ai fermé ce studio il y a quelques années pour monter le lieu dans lequel tu es actuellement. D'accord. Voilà. Donc Paris, je suis revenu. D'accord. Donc là, depuis combien de temps Alors, il y a une histoire aussi également ici. Studio monté en 2010-2011 avec un ami à l'époque. Ça ne s'appelait pas Audioscope, ça s'appelait 85 Productions. On a tourné comme ça pendant 4-5 ans, ça s'est arrêté il y a 4-5 ans également à peu près, et j'ai monté Audioscope sous cette forme-là il y a 4 ans maintenant. D'accord. C'est la cinquième année. D'accord. Donc c'est relativement récent. C'est relativement récent. Alors il y avait un truc qui m'a beaucoup parlé avant qu'on se mette devant les caméras, c'est que bon, tu as évidemment tout ce que tu as monté avant, tu as appris énormément de choses, et il y a un truc qui m'a beaucoup parlé dans ta manière d'aborder les projets. C'est que tu fonctionnais à l'humain, au ressenti. Exactement. Au feeling. Parce que cette cabine, c'est ta cabine. C'est ça. Voilà, c'est chez toi. C'est chez moi. Toi. Exactement. C'est ça. Il y a une grande nuance quand on dit ça, parce que voilà, quand on vient ici, on vient pour toi. En fait, on vient pour moi, on vient pour le lieu, on vient pour la philosophie de travail, qui est primordiale. J'ai voulu, après, parce que toute cette histoire, c'est quand même plus de 20 ans d'expérience. Ouais, c'est ça. Dans différentes configurations. J'ai voulu sortir un peu du rang parce que j'étais fatigué et ça ne m'intéressait plus le côté music business, tout simplement. Hein. Enfin, c'est un peu caricatural de dire ça comme ça, mais le studio commercial, booking, 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 coûte que coûte, vaille que vaille, ça m'a un peu épuisé.
J'avais plus envie de faire ça. C'est venu frotter aussi avec ma passion et oui. d'ingénieur du son. Bien sûr. On se positionne comment entre le business du studio, la passion du son. C'est deux métiers différents. Quoi. C'est deux métiers on différents. On est chef d'entreprise ou ingénieur du son. Exactement. Et je suis pas très bon chef d'entreprise. Ouais, mais... non, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. J'ai vécu les mêmes choses. Donc, donc voilà, j'ai coûte que coûte et vaille que vaille voulu créer un lieu, ouais. un lieu de musique, ouais. un lieu de rencontre de musiciens, un lieu de création, d'enregistrement, un lieu de plaisir. Mmh. Alors, avec voilà, hein, les contraintes que ça peut avec apporter, les contraintes que ça on apporte, le sait, c'est pas voilà, évident. Exactement. Mais c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Voilà, la barre commence à être vraiment positive. Ouais, ouais. Dans le, et ça, c'est très chouette. Je suis très content. Ouais, c'est normal qu'il faut un temps pour justement faut un temps. Aussi fédérer les clients. Il faut recréer, ouais. faut recréer un réseau ouais, sain de musiciens sains, d'artistes chouettes, qui ont des histoires à raconter, qui te font rencontrer d'autres artistes chouettes. Enfin, c'est un cercle vertueux. Ouais, ouais, bien sûr. On connaît par cœur le cercle vicieux. Ouais. Je crois au cercle vertueux, ouais. plus que tout. Ouais. Sûr, difficile bah à mettre métier, en place, c'est... long, mais voilà ce que j'évoquais tout à l'heure. Pour travailler ici, il faut qu'on se rencontre. Ouais. Les gens viennent, on discute ouais. du projet. Ouais. Est-ce qu'on a la même sensibilité voilà, est-ce que sûr. Le lieu est en corrélation avec la sensibilité est-ce que, voilà, très important, primordial. Bah, c'est la clé de beaucoup de choses. C'est un métier de collaboration, de rencontre, de connexion. Et pour qu'un projet marche, c'est un peu l'élément fondamental. Bah, je crois en la chaîne vertueuse. Ouais, bah ouais. Et il y a un truc que j'ai appris aussi ces dernières années, et je suis très content d'en avoir pris conscience, on ne sait pas tout faire. Oui. Je ne sais pas tout faire. Je me suis rendu compte que je ne suis pas beatmaker, oui. je ne suis pas compositeur. Mmh. Parce qu'à un moment, on peut se perdre ouais. dans tout ça. On peut je se perdre. J'ai travaillé avec des artistes qui me demandaient de faire des arrangements. Mmh. Je ne suis pas arrangeur. Ouais. Par contre, je sais réaliser. Mais ouais. je sais réaliser quand j'ai besoin d'un batterne de batterie. Je sais quel batteur je vais faire jouer. Mmh. Ça, je sais faire. Ouais, d'accord. Je sais l'enregistrer. Mmh. Je sais lui parler. Mmh. Je sais. Mais voilà, j'ai affiné mes domaines de compétences. Mais je ne sais pas tout faire. Ouais, ouais. ouais. Mais c'est important de bien comprendre les nuances. Bien sûr. Les corps de métier qui sont autour de tout c'est ça. C'est primordial. Ouais. Et aussi de se positionner dans un projet, à savoir un artiste qui vient ici pour me parler de son projet, de quoi il a besoin. Est-ce qu'il a besoin de prise de son? Est-ce qu'il a besoin d'un accompagnement artistique? Est-ce qu'il a besoin de musiciens? Ou à l'inverse, tout est déjà prodé et on n'a plus qu'à enregistrer? Est-ce que c'est nous qui mixons ou pas? Est-ce que je le sens ou ouais, pas ouais. de le mixer? Ça demande beaucoup de sagesse de faire ces choix-là. Ça demande beaucoup de temps, de, déjà, temps aussi, de réflexion, parce qu'on ne s'engage pas dans tout et n'importe bah, quoi. Oui, oui. Je suis le premier à dire à des artistes, je suis d'accord pour traquer votre projet. Mmh. Par contre, ouais, le mix, trouvez-vous, j'ai le peut-être show, un ingé ouais, qui voilà, mixera ouais, mieux ouais. que moi. Je suis le premier ouais, à dire que je ne suis pas sûr, le meilleur ouais, mixeur ouais, du monde. Bien sûr. Ouais, et j'ai pas de souci à le dire. Oui, bah après, bien sûr. On ne peut pas être performant dans tout. C'est ça. Par contre, avec Raphaël, qui prendra ma place tout à l'heure, avec qui je travaille ouais. maintenant depuis 3 ans, qui est ingénieur du son ici, ça y est, on commence à vraiment affiner notre domaine de compétences, la prise de son. D'accord. Et je trouve ça très chouette. Et la réalisation. Mmh. Ça, c'est très, très. C'est ce qu'on préfère. Ouais, faire. C'est ce que tu me disais. C'est un studio qui a accès quand même prise acoustique. Bien sûr. Voilà, quand on dit prise, bon, évidemment, on sous-entend acoustique, musicien. La musique faite par des musiciens. C'est ça. Donc voilà. Mais aussi des prises de voix. On fait beaucoup de prises oui, de voix. Oui, parce qu'on a su. Dès l'instant où on est OK sur. On a travaillé avec une superbe artiste, là, il y a quelques semaines, qui fait de l'urbain. Pourtant, ouais. ce n'est pas notre cœur de métier. Ouais. Par contre, un réel univers très, très chouette. Mmh. Et ça, on sait faire des belles prises de voix. Mettre un artiste ou une artiste dans des conditions qu'il n'est plus qu'à penser à sa musique. Mmh. Voilà, tout simplement. Ouais. Et nous, on s'occupe du reste. Mmh. D'accord. Ouais. Donc, un studio avec ses prises, tu m'en parlais au niveau de la configuration, parce que bon, tu l'as évoqué, il y avait une autre structure avant. C'est ça. Un autre type de matériel que tu as dû évacuer. Tu as voulu faire tes choix à l'affect. Alors, parle-nous de ces choix, parce que c'est intéressant la configuration qu'on a là. Parce que c'est vrai que quand on part de zéro, on se dit... Tout est ouvert. Et suivant ce qu'on veut faire, parce que tu dis, on peut tout pas ouvert. Tout faire. On peut bah, pas... Non, après, alors, comment après on choisit, évidemment. Comment on se dit, tiens... Parce que voilà, on parle du lieu, je parle de la pièce vide. Tu as une acoustique fantastique, faite par un monsieur fantastique, monsieur Deluc. Monsieur Deluc. Voilà. Donc, que je salue. Ben voilà, qu'on salue. Il a fallu installer du matériel. C'est ça. Alors, tu m'as dit, voilà,
tu avais des choix de cœur qui malheureusement ne se sont pas concrétisés. Alors après, comment on fait, de par ton expérience, quand on choisit ça, on se dit tiens, je vais faire de la prise. Ah bah tu le sais aussi bien que moi. C'est il y a un côté, c'est une névrose, c'est une torture permanente le matos, parce que se pose toujours la question de est-ce que j'aime l'objet, est-ce que j'aime l'outil, est-ce que j'en ai l'utilité, est-ce que c'est toujours ces considérations là à prendre. Quand on choisit une console, on voudrait tous une vieille Niv. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Évidemment. On voudrait tous une vieille Niv. Je caricature, hein. Oui. Mais c'est des machines qui font rêver. On voudrait tous une vieille MCI, on voudrait. Ouais. Mais quand on reçoit la vieille MCI, quand on se rend compte qu'il y a 18 préamps sur 24 qui sont HS, que l'outil est mal en point. Ouais. Donc on a le kiff de l'objet, mais l'outil demande énormément d'entretien. Donc tout ça est une réflexion sans fin. Et donc dans ce studio, on a une configuration un peu hybride. Ouais. J'avais donc, je te racontais tout à l'heure, on avait une SSL Duality que j'ai revendue parce que c'est pas des outils qui m'intéressent en soi. Non pas que je n'aime pas la machine, oui, mais c'est que, enfin si, j'aime pas la machine. Oui, non, mais après choses. Voilà, non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas de jugement. Je comprends totalement un ingé qui me dira, j'adore la SSL Duality. Non, mais on est bien d'accord. Moi, c'est pas une machine qui me correspond. Voilà. J'aime bien les vieilles bécanes, j'aime bien que ça ronfle un peu. Donc je suis très MCI. D'accord. C'est une marque que j'affectionne que particulièrement. Voilà. Donc un modèle qu'on a derrière toi. Voilà. Plus l'autre. Plus le joujou qu'on est là-bas. Voilà. T'as mis son petit compagnon. Exactement. Qui est un peu notre bébé qu'on chérit quand on s'occupe. Et tu m'as fait écouter, c'est ça. On parlait matériel évidemment. Bon, évidemment, on fait un peu les geeks. Hein, on a été sages encore. Mais effectivement, et c'est ça que j'aime aussi dans ce genre d'endroit, c'est la culture du matériel. Oui. Et tu m'as fait écouter des choses à travers ce genre d'outils, et on se rend compte qu'il se passe quelque chose. Bien sûr, bien sûr. Il se passe quelque chose. Qu'on le veuille ou non, on peut en débattre autant qu'on veut. Bah, je suis pas prosélique studio. Enfin, oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. On peut faire de très belles choses en home studio, il n'y a pas de souci. Bien sûr. Mais dès l'instant, pour moi, c'est pas pour faire le vieux. Dès l'instant où on va faire de la prise, il y a besoin d'air, il y a besoin de dynamique, il y a besoin de. Il faut une petite plus-value quelque part. Voilà, il y a un truc, je ne sais pas, parce que je suis geek de matos, après je ne suis pas geek d'électronique, je ne saurais pas te dire ce qui se passe dans les machines, mais. Je saurais dire ce qu'on en fait, mais non, c'est pour moi les limites de la carte son et du home studio, vraiment. Ouais. L'air, la dynamique, l'interaction entre un micro, une pièce, un musicien, bon, c'est là où le home studio a ses limites et la magie qu'on retrouve en studio, parce qu'il y a un côté magique. Ben, oui. Il y a un côté magique. Oui, et puis bon, évidemment la machine, et puis quand on est avec un groupe, dans des pièces comme ça, on l'évoquait, l'interaction, le dialogue, le rapport avec les gens. Bien sûr. Nous, c'est un lieu qu'on veut humain avant tout. Ça se sent, je l'ai senti direct. Un lieu de plaisir, de musique. Alors après, attention, il y a un cahier des charges. Oui, non, évidemment. Un cahier des charges. Enfin, je veux dire, les artistes, les groupes ont un budget, il faut s'y tenir. Voilà. Faut, dès l'instant où on accepte un projet, il y a un cahier des charges. Mais à partir du moment où tout est calé, tout est discuté, tout, chacun à sa place, parce que ça, on pourrait en parler pendant des heures aussi. Hein. Quel métier on fait dans une séance? Ce que je disais tout à l'heure, est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est dans la pièce? On est bien d'accord. Voilà, donc à partir du moment où tout est calé, que les musiciens sont bons, se sentent bien, là, on est dans le plaisir, bien sûr. Oui. Et c'est une vraie préparation, ça aussi, c'est un vrai job, ça fait partie intégrante du truc. Les préparations de séance, c'est primordial, savoir avec qui on travaille, ce qu'ils attendent de nous, ce qu'on attend d'eux. Ah, c'est tout un truc. Ah, c'est un métier. Tout un truc, Voilà, on évoque tout ça. Tu es encore, tu me disais, un petit peu dans la recherche. Bon, mais tu es quand même pas mal. En termes de console, mais on est très bien. On est très bien. On a eu 3 MCI avant la 4000. Enfin, voilà, ça a été. Ouais. On a changé 3 fois de console en 2 ans. Avec des montages, remontages. Et puis, acheter une console, une MCI qui a 40 ans à l'étranger, elle arrive, on ne sait pas ce qu'on, sait pas ce qu'on reçoit. Des bonnes et des très mauvaises surprises par moment. Oui. Donc voilà. Oui. Donc j'ai gardé ma 18 parce que ma petite 618, sans exagérer, ça fait 20 ans que je l'ai et que je la traîne. Ouais. Et j'adore cette console. Ah ben oui.
Oui. Je l'ai acheté, j'étais encore à la SAE, je ne savais même pas ce que j'achetais. Ouais. Ah ouais. Je ne savais même pas ce que c'était, MCI, j'ai acheté un bleu complet, j'ai adoré cette petite console. Ouais. C'est un format que j'adore, petite 18 ouais, comme ça. C'est... Tout, c'est... Ouais, ouais. Il y a un côté très ludique, très, puis c'est très simple, hein, préamp, PQ, voilà, roulé jeunesse. La vraie console de prise. Quoi. La vraie petite console de prise. Ouais. Donc celle-là, je la garde parce que je l'aime beaucoup. On s'en sert uniquement en prise. Ouais, pour le coup. Voilà, on ne fait pas de mix avec, ni rien du tout. Et la petite 4000 qui est arrivée ici il y a très peu de temps, que monsieur Gilles Martinic, beaucoup de gens connaissent, évidemment. Dans le métier, voilà, bien sûr. Nous a installé, nous a recapé, voilà, elle est clean, ça marche très bien. Ça reste une 4000, hein, c'est une valeur sûre, c'est une console que j'aime beaucoup, que j'avais en Normandie, dans mon studio en Normandie. En format 16 mono, 4 stéréo, voilà, c'est très bien. Alors, j'évoquais tout à l'heure, j'ai commandé un petit side de 8 monos supplémentaires. Ouais. Parce qu'avoir 24 monos en retour magnéto, voilà. Ouais, bien sûr. Parce que là, on est un petit peu obligé de bricoler sur les dernières pistes sur le MCI. Mmh. Donc voilà. Mais ça reste une très très bonne console. Enfin, moi, j'aime beaucoup. C'est très chouette. Donc on sent qu'on est axé sur la prise de son. C'est quelque chose que tu préfères faire ? Ah, je préfère ça. Tu préfères ça ? J'ai beaucoup aimé mixer à un moment de ma vie. Mais j'ai pas envie de travailler tout seul. Ouais, d'accord. J'aime pas les séances tout seul. Tu veux pas être seul ? Non, j'aime pas les séances seules où on mixe. Ouais. On passe 80% du temps à se demander est-ce qu'on est dans le juste, comment l'artiste va réagir par rapport à une V1. C'est plus ce qui me plaît. T'aimes le travail d'équipe ? J'aime le travail d'équipe. La création, la production. J'aime la petite bière en fin de journée où on réécoute leur off-mix. Mmh. C'est cool. J'aime ça. Je suis un peu revenu de. T'envoies un MP3 V1, tu n'as pas de nouvelles pendant 3 jours, et le fameux mail que tout le monde connaît. Alors, c'est cool, mais, virgule. Et de faire des modifs tout seul. En plus, je ne veux pas mixer in the box ici. Tu vois, c'est un truc que je me refuse de faire. Ouais. C'est pas un lieu, on ne vient pas mixer ici pour mixer in the box. Ouais, ouais, ouais. Donc, ce qui inclut quand un artiste me dit « oui, mais le charlet à 2 minutes », C'est une demi-heure de recall, Mais on voit que la config est faite pour la prise, elle est faite pour l'instant. Pour moi, c'est un studio ici qui s'inscrit dans des beaux instants de musique et on les fige. Voilà. Et après, débrouillez-vous. D'accord, c'est ça. Donc, c'est comme ça que tu le feras évoluer, même si, comme tu disais, que tu étais encore en train de te chercher. Donc, vraiment, tu vas rester, rester axé là-dessus. Bien sûr, c'est ce qu'on préfère faire. Je rencontre en ce moment des mixeurs avec qui on discute un peu sensibilité. Parce que je reste persuadé qu'un bon projet, qu'un bon disque, c'est des bonnes collaborations. Là je suis complètement d'accord. C'est des bonnes collaborations en forçant le trait et en caricaturant une bonne chanson, des bons musiciens. Des bonnes prises, un bon mixeur, un bon studio de mastering. Ouais. C'est pareil, le mastering, on me demande souvent, tu fais du mastering. Non, c'est un métier, ce n'est pas mon métier. C'est pas, bien sûr. Je ne sais pas. Alors j'ai un Tirax, je peux mettre plus fort. Bien sûr. Non, mais je caricature, mais non, c'est un métier. C'est pas, Et pour moi, on ne peut pas être bon et on ne peut pas tout savoir sur tout. Tu vois je suis le premier à dire à des artistes, non, je suis sûr qu'il y a des gens qui mixeront mieux que moi, puisque ça... Je vais pas kiffer. Ouais. Ah si tu prends pas de plaisir. Je vais pas kiffer. On s'entend. Oui. Mais non, mais tu l'évoquais dans la manière de choisir les projets. Effectivement, s'il n'y a pas la notion plaisir, la notion inspiration, connexion avec la personne, la magie prend pas. Bah oui, puis évidemment. Et puis la prise de son, c'est un sujet qu'on maîtrise bien. Tu vois, on a un très beau parc micro, on sait, je vais pas te dire qu'on sait exactement tout. Oui, bien sûr. C'est encore une fois, ça nous arrive de recevoir des ingés, amis pour des séances, on en apprend encore. On a fait une séance l'année dernière avec Raphaël, enfin, waouh. Ouais. Tu vois, l'ingé nous a bluffé dans notre studio, OK. Ça me surprend. On apprend tous vraiment, les jours. Je suis encore heureusement encore ouvert à ça. C'est ça qui est génial aussi, bien sûr. C'est que ça prouve bien que voilà, encore une fois, rencontre, collaboration, c'est ça. Et on avance quoi. Je me suis rendu compte que la collaboration saine, encore une fois, dans un cercle vertueux,
c'est super, ouais. C'est magique. Ouais, ouais, c'est la clé de beaucoup de choses. Alors, ouais. De toi à moi, Nico, ça arrive aussi souvent, des projets qui ont été traqués là, où tu t'habitues au rough mix, comme ouais. Beaucoup d'artistes, bah, oui. Tu reçois les V1 de mix de l'ingé, tu ouais. Fais... Tu te dis, ah, qu'est-ce qui s'est passé ? Oh. Ouais, ouais, c'est... Ouais. Il y a des fois, il y a des calages, tu vois. Ben, ça prouve que voilà, il y a des sensibilités différentes et que c'est ça. Voilà. C'est... Mais 3 fois sur 4, tu fais oh, c'est cool. Ouais, ouais, ouais. Oui. Et là. Ah ouais. Toi, ton propre travail, du coup, il est, enfin voilà. Il y a une forme de satisfaction. Exactement. Tu dis, ah ouais, attends, il en a fait ça. C'est ça. Beau. Ouais, exactement. Ouais, non, c'est sûr. Ouais, un peu comme tu mixes, t'envoies un mastering, ah, voilà, tu redécouvres. Exactement. Un peu. Ouais, ouais. Donc comme ça, quoi, ce chaînage est très important. Ouais. Et on y tient beaucoup. Ouais. Ben écoute, très bien. Vers quoi je peux t'aiguiller ? Tu nous as bien résumé ton parcours, tu nous parlais que tu aimais faire de la prise. Alors, qu'est-ce que tu as pu faire avant, peut-être, qui aurait pu marquer ton histoire, ton parcours ? Parce que, bon, une révélation de se dire, tiens, je vais faire un studio de prise de son, qu'est-ce qui aurait pu t'inspirer à t'axer plus là-dessus qu'autre chose ? Ou c'est parce que, voilà, finalement, ça s'est fait comme ça ? Ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça ? Ouais, ça s'est fait comme ça. Et j'ai été, je t'expliquais, j'ai été, à un moment donné, je ne faisais plus que du mix, tout seul. Ouais, t'as senti que c'était pas... Ouais. J'avais plus envie. Ouais, je comprends. J'avais plus envie. Ouais. J'arrivais à mon studio le lundi matin. Recevais des WeTransfers. Ok, alors ouais, je vais forcer le trait. Hein, c'est pas arrivé tout le temps, mais c'est souvent arrivé. Tu reçois une session de mix, tu connais pas l'artiste, t'as jamais discuté avec lui. Non, mais je vois ce que tu veux. C'est froid, il n'y a pas de... Et puis deux fois sur trois, c'est pas très bien fait. Ouais, ouais, ouais. T'as 4 pistes de lead, mais tu ne sais pas. Ouais, bah si tu n'as pas à trier tu vois, quand tu reçois des pistes. Donc tu appelles l'EDA ne te répond pas, la journée, tu n'as pas de nouvelles. Tu reçois un mail le soir en disant « Alors, ça doit partir au mastering le lendemain. Ouais, » On t'a toujours pas répondu sur « Mais c'est à moi de trier les voix libres. » Alors, quand ça arrive une fois, évidemment, mais... Non. Ça prouve que ça reste un vrai métier à part entière aussi. Enfin, métier, un vrai truc à part entière dans le sens, voilà, gérer ce genre d'informations. Et on le disait, tout le monde fait un petit peu dans son coin, donc il n'y a plus de dialogue. Oui, puis on ne communique pas beaucoup, on ne se rencontre pas. Tu vois, moi, c'est pas. Tu auras compris avec tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, mais pas. Moi, j'ai besoin qu'on se rencontre. C'est pas ton truc, quoi. Ouais, bien sûr, j'ai bien compris. Il fallait même un mixeur avec qui je travaille, avant de lui envoyer les pistes, le minimum, on s'appelle. Bien sûr. On s'appelle. Ben, c'est normal. Enfin, moi, je trouve ça normal. Bien sûr. Ouais. Et je suis le premier à dire, bon, tu fais gaffe dans la piste d'overhead, il y a un peu de droite à gauche. Voilà. Enfin. Ouais, il y a un échange, il y a un suivi. On en parle. Bien sûr. Ouais. On en parle. Ouais. Et l'artiste sait très bien vers qui je vais l'emmener. Mmh. On en parle. On est d'accord. Mais donc voilà, ça s'est fait un peu par choix et parce que j'ai un lieu qui s'y prête aussi. Ouais. Non, mais je l'ai senti tout de suite. Il y a eu un aura dans cet endroit. Non, mais c'est vrai. Bon, en plus, t'es comme moi, t'es fan de lampes. Donc, du coup... je peux mettre très longtemps à trouver une lampe. J'ai repéré des trucs sympas. Non, mais on sent que t'as voulu faire un truc intimiste, chaleureux. Je peux faire un tuto sur le choix des ampoules. Ouais, aussi, voilà. Si bah, tiens, pourquoi pas. On va faire ça. Non, mais c'est senti direct. Et ça me fait penser, j'ai envie de parler de ça. Parlons-en, parce que tu as une vraie... au-delà de ton parcours... parce que tu me disais que tu as fait l'école, alors on peut le dire, finalement, très autodidacte. Parce que tu as travaillé dans des lieux avant ou pas ? Non, jamais. Tu as toujours été autonome. Pour la petite anecdote, j'ai fait un stage quand j'étais à la SAE dans un tout petit studio à Blois, un studio associatif qui s'appelait Pôle Nord à l'époque. Ouais. Tout petit studio associatif, mais dedans, il y avait deux ingés, Fred Norgay et Fred Grammage. Ah, que je vénérais à l'époque, parce que j'évoluais dans un milieu un peu alternatif. Ouais. J'étais musicien de punk rock, tu vois, et c'était les ingés un peu en vogue à l'époque dans le milieu alternatif français. Ouais. Et ils travaillaient dans ce petit studio associatif à Blois, et j'avais adoré. Ouais. Il y avait un petit 16 pistes, il y avait une petite maquille. Alors, c'était 3 francs 6 sous. Hein. Mais il y avait même chose, il y avait un feeling. Qui était cool. Et j'ai adoré ce stage. Et j'ai tout de suite monté, alors pareil avec 3 francs 6 sous. Ouais, alors, ouais. C'est caricatural de dire ça, mais oui, j'ai commencé avec un 4 pistes. Hein. Ah ben oui, mais comme. SM57 acheté de case. Ben normal. Hein. Et j'ai dû faire à l'époque, mais je te parle de ça encore une fois, Nicolas, c'était il y a 20 ans. Ouais, ouais. Un petit album de punk rock en France qui a un peu. C'était la première fois. Enfin, tu vois. Fait, je veux dire, ça avait coûté 200 euros au groupe, tu vois. Non, mais bien sûr. Et du coup, un deuxième, un troisième groupe. Ouais. Et puis du coup, à l'époque, c'était comme c'était dans ma maison, il y avait un côté où il n'y avait pas d'enjeu. Ouais.
Donc je gagnais 200 balles, je rachetais un SM57. Ouais. Enfin, donc du coup, hop, mon premier DA88, ouais, mon premier 8 pistes. T'évoluais comme ça, ouais, bien sûr. J'ai eu un DA88, après j'ai racheté un DA38, j'ai eu 16 pistes. Une petite Soundcraft, et ça commençait à sonner un peu cool pour l'époque, Et le premier Pro Tools. Voilà. Et oui, bah oui, le parce début que, du drame. C'était MHD, c'est ça, oui, début des années 2000 à peu près, ouais, c'est ça. C'est ça, j'ai eu la petite Digi1. À l'époque, ils avaient sorti la Digi1. Ouais. Bah ouais. Révolution. Révolution. Du jour au lendemain. La force ultime. Bah ouais. C'était magique. À l'époque, c'était magique. Ouais. Non, mais c'est bien, c'est ça, c'est... Si, beaucoup de gens, moi c'était un peu ça aussi, c'est-à-dire voilà, t'achètes un peu de matos, tu fais un groupe, t'en fais un deuxième, tu réinjectes tout ce que tu gagnes là-dedans, et puis tu as monté une belle structure, donc voilà, il fallait oser, il fallait le faire, ça t'a appris énormément de choses. Dans ce métier, c'est ça. Alors, c'est, je pourrais aussi écrire un livre si j'avais su trois points de suspension, parce que attention, à raconter comme ça mon parcours, il paraît cool. Mais c'est normal, on se doute bien qu'on n'a pas tout ça sans casse. Il y a eu des bons chassés. Bien sûr, oui, mais c'est normal, on s'en doute bien, on n'obtient pas ça comme ça. Non. C'est le travail, c'est la rigueur, la persévérance, on le sait. Mais j'ai appris, s'il y a bien un truc que j'ai appris, c'est j'ai clarifié mes objectifs. Ouais, mais c'est important ça. C'est primordial. Parce qu'effectivement, on l'évoquait d'ailleurs dans le métier, et tu l'as très bien dit, on ne peut pas tout faire. Non. Donc, il faut à un moment donné faire des choix assez précis de ce qu'on a envie en termes d'outils, en termes de manière de travailler. Bien sûr, c'est et puis, important. Ça. Et puis, faut être aligné avec ce que tu aimes faire, ce que tu sais faire. Bien sûr. Pas se mettre en difficulté en fait. Faut pas. Oui, on gagne jamais rien à essayer de vendre ce qu'on sait pas faire ou on se met en difficulté dans ces cas-là. Ouais. Et il faut être honnête avec soi-même et honnête avec les gens. Enfin, c'est déjà rien que ça. C'est des années. Enfin, c'est des années. Ben oui. Vraiment. Ah oui, parce que bon, on se dit, allez, je vais conquérir le monde, et puis au final. C'est ça. Ouais. En fait, il faut conquérir son monde. Son monde, exactement. Voilà. Bon, c'est une belle, belle phrase. Qu'est-ce que je peux rajouter là-dessus? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, le truc que je voulais évoquer, là, on est parti sur autre chose, mais tu as une vraie volonté de transmettre. Oui. Tu me l'as dit. Oui, oui, oui. Alors voilà, bon, évidemment, on fait beaucoup de choses, nous, par rapport à la transmission. Donc moi, je serais bien content qu'on puisse faire quelque chose ici, parce que tu as envie de expliquer, sensibiliser sur le côté hybride, parce que tu partages ici deux beaux mondes qui sont l'analogique et le numérique, oui, bien sûr, que tu fais au quotidien. Exactement. Parce que clairement, c'est les outils que tu utilises au quotidien. Et montrer l'intérêt de ces choses-là. Alors, au-delà du plug, au-delà de tout ce qu'on voit. Bah, si tu veux qu'on aborde ça, la transmission matérielle, entre guillemets, et un peu pragmatique de notre métier, oui, j'aime bien le meilleur des deux mondes. Je trouve qu'il est intéressant en 2021. J'ai pas envie que ce studio devienne un studio de prise, ce que je te disais, voilà, exercice de style. Ce qui est très cool aussi à faire, mais je ne veux pas faire que ça. Ce que je trouve très très chouette, c'est de travailler de façon contemporaine avec des outils qui ont du grain. D'où le magnéto analogique. 90% du temps, la plupart de nos prises analogiques sont retraquées dans l'ordi derrière. Oui. Déjà un truc tout bête, un groupe qui vient enregistrer ici ou un artiste, qu'est-ce qu'il fait de sa bande de pouces? Oui, effectivement, c'est un peu compliqué. Donc voilà, alors c'est arrivé, mais la plupart du temps, on traque sur analogique et quand on a les bonnes prises, on numérise derrière. Ouais. Voilà. Et les artistes ou les groupes repartent mixer ou on mixe a posteriori souvent, avec l'ordinateur. Pas in the box. Important de le souligner. Important. Non, après voilà, ça c'est. Oui, ça c'est des choix après. Voilà. Après, je suis très honnête, tu me fais un AB, faut pas pousser non plus. Oui, je serais incapable de te dire. Ouais. Non, mais bien sûr. Non, mais on le sait, c'est. Alors, si on fait une parenthèse là-dessus, moi aussi, je suis adepte des faders. On sait que c'est une question de sensation, c'est une question de sensation. Ressens quand c'est tu travailles, tu ne mixes pas de la même manière devant un écran, voilà. Parenthèse fermée. Alors après attention, je travaille avec des artistes modernes. Oui. On plug, hein. Oui. Je veux dire, faut pas non plus. Non, mais on est bien d'accord. Voilà, je suis pas anti-plug, je suis pas anti-ordi. Mais c'est sûr que la sensibilité, ce que tu ressens dans ta manière de travailler, ça impacte sur ta manière de mixer. Bien sûr, évidemment. Mais je suis pas.
T'es pas fermé, pas quoi. Mots, t'es pas voilà, pas voilà. T'es pas bien sûr que non. Bien sûr que non. Oui, c'est oui. pas. Mais il y a du très bon dans les deux mondes. Et je trouve que encore une fois, tout dépend du cahier des charges des projets sur lesquels on travaille. Mais c'est vraiment cool de faire matcher les deux mondes. Ouais, ouais. On travaille sur un truc moderne. On a besoin d'une batterie. On la traque en analo. Tu vois. Enfin. Et ça, c'est très cool. Et il y a un vrai intérêt. C'est ce qu'on disait. Tu m'as fait écouter des trucs. Bon, c'est cool, moi, j'ai un petit peu, je connais un petit peu, donc je bien sais sûr ce qui se passe, évidemment. Peu, donc voilà, et c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est ce qu'on évoque souvent dans certaines vidéos, c'est la culture du matériel, la culture des machines, et savoir pourquoi maintenant, bon, bah, pourquoi les développeurs se contentent de copier ce qu'il y avait avant. C'est qu'il y a une raison. Il y a une raison. Il se passait des choses, et connaître ça, voir ça en vrai, c'est important, ne serait-ce que d'un point de vue culturel. Après, évidemment, c'est compliqué, on connaît les contraintes de travailler 100% biologique. Mais vivre ça, je pense que c'est dans un parcours, dans un cursus d'apprentissage, c'est très important. C'est très chouette. C'est important. Et déjà, il y a un truc qu'on a complètement oublié, les séances sans écran. Ah bah oui, oh, bah ça oui. Non, là, oui. Non mais en fait, je me suis rendu le compte... Le son s'écoute. Je me suis rendu compte qu'un artiste fait une prise, trois prises, peu importe, il vient écouter, il va s'asseoir où tu es là, il écoute comme ça. Oui. Il regarde l'écran. Oui, oui. Toi aussi, tu regardes l'écran. Ben oui, oui. Tu regardes, puisque ça attire l'œil. Ça attire l'œil. Et j'ai un réflexe, il est quasiment tout le temps éteint, mon écran. De faire une session sans un écran, les gens écoutent. Écoutent. Bien sûr. Et toi aussi, tu écoutes. Ben ça, l'écoute, hein, je peux t'en parler. Bien et sûr, tu es beaucoup plus sensible à la sensation. Bien sûr. Quand tu n'as pas. Mais t'es pas diverti, ton œil t'influence. Que le veut, non, ton œil t'influence. Donc, refaire des séances sans écran. C'est très intéressant à faire. Bah ouais. Et c'est tout bête, hein, mais une séance sur magnéto, les artistes font leur prise, on réécoute. Bah oui, là, on rembobine. Pour le coup, t'as pas le choix. Oui. Ah, et puis tu rembobines, ça prend du temps. Gars, ça, oui, bien sûr. C'est pas, tu peux me mettre le couplet en boucle et que je bosse. Non. Et ça implique une chose, et ça c'est toujours évoqué avant les projets. Ouais. Je pose toujours la question. Une séance analogique. Faut être prêt. Tu viens pas essayer. Mais c'est sûr. Il faut savoir ce que tu as à jouer. C'est pas tu perds pas une demi-heure à chercher ce que tu vas, comment tu vas interpréter l'intro. Bien sûr. Bon, peu importe. Hein, c'est un exemple, mais c'est une machine de groupe. Mais c'est comme un tournage de cinéma. La scène, tu la répètes. Tu vas pas faire 500 prises pour la bande. C'est pareil. La dernière décennie nous a un peu habitués au contraire. Et oui, c'est ça. Ben oui, les studios, on prépare plus les séances. On se dit, voilà, ils vont faire de la magie et compagnie. Et non, et on l'a évoqué plusieurs fois et on le redit, mais comme quoi on tourne autour de la même chose, mais c'est la vérité. Ça se prépare. C'est un vrai savoir-faire. C'est une vraie préparation. Et c'est ce qui va garantir le résultat. Exactement. Il n'y a pas de hasard. Mais de la même façon, quand on fait une séance sur ordinateur, hein, parce que évidemment, on ne fait pas que de l'analo, on est les premiers à dire aux artistes, aux chanteurs, en règle générale, ne repars pas avec 43 prises. Mais c'est ça. Enfin, c'est faisons 4 bonnes prises. Sûr, oui. Après, rien n'empêche de compiler. Mais il faut arrêter ce réflexe. Mais on sait qu'on n'a pas de limite, alors tout de suite, bon, bah, c'est ça. Exactement. Là, tu as 24 pistes, pas une de plus. Donc, c'est ça. Il ne faut pas se rater. Ouais, non, mais on est bien d'accord. Et c'est c'est comme ça qu'il faudrait. Après, encore une fois, il faut un projet en corrélation avec cette philosophie avec, de travail. Bien sûr, exactement. Bien sûr. Bon, qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Oh bah, plein de choses. On est bien. On pourrait rester là des heures et des heures. On est bien. Là, on est posé. On est au top. Je vais faire un petit coucou à Raphaël qui nous expliquera aussi son parcours puisqu'il travaille avec toi et tout ça. Donc, ça fait 3 ans, c'est ça, qu'il est avec toi. Ça fait 3 ans, exactement. Donc, il nous expliquera, lui, avec ses mots, comment il est arrivé à travailler avec toi, parce que c'est un beau parcours, c'est un bel exemple qui, à mon avis, va inspirer beaucoup de gens. Raphaël, alors je le laisserai raconter, hein, mais Raphaël, ça fait 3 ans qu'il est ici. C'est un vrai binôme. Ouais. Mais vraiment. Ouais. C'est une relation de travail, c'est une des relations de travail la plus saine que j'ai jamais eue. On est dans un rapport. Très simple, très sain de travail. Mmh. On se dit les choses. Alors, comme toute collaboration, des fois, on se chic. Hein. Enfin, voilà, c'est normal. Un peu mal luné. Voilà. Mais c'est un vrai ingénieur du son. C'est un vrai bon assistant. Ouais. Là, il est en train de monter un peu en grade. Et Dieu sait que c'est important. Entre guillemets, parce que mon but est
qui prennent un peu la main sur des séances, dans l'autonomie, dans le... mais c'est un vrai assistant, ouais. avec toutes les qualités que je mets derrière. C'est important. Hein. Et pas le terme important. D'assistant, tu vois ce que je mets derrière. Ah ben, assistant, c'est une séance réussie, c'est un bon assistant. C'est un bon assistant. C'est un bon assistant, c'est primordial. Humainement, qui sait se positionner humainement, ouais, ben oui. qui sait se marrer quand bien on sûr. Sent ben oui. on peut se marrer, qui sait rester à sa place. C'est tout un truc. Primordial. Ouais. Primordial et les gens l'apprécient beaucoup, ben Raphaël. Oui. Ben oui. Parce que c'est... parce qu'il a tout compris, je suis il sûr. Il a tout compris. Ben oui. Mais je l'ai vu. Et il est très doué. Il est très doué, il est très bon. J'ai bien et je fais une petite parenthèse parce que ça, il ne le dira pas. Il est arrivé à un moment où j'étais en pleine restructuration ici. Ouais. Il m'a fait un bien fou. Il m'a fait un bien fou parce qu'il est arrivé avec la jeunesse, ouais. l'envie. Et oui. Il est arrivé avec ouais. l'envie d'essayer des choses. Ouais. Quand ça fait 20 ans que tu fais le même métier, je caricature, oui, tu peux être attiré par le... Tu enregistres une batterie, ça fait ouais. un enregistré 600. Ouais. Raphaël est arrivé en me disant « Attends, on va tourner, ouais, on sa va jeunesse, mettre un truc devant, sa fougue, avec, ouais. avec sa fougue, l'envie de ouais, passer ouais. dans des bécanes que mais toi, tu n'as pas allumé ouais. depuis 3 ans. Ouais. » Il m'a donné envie. Ouais, il ouais. m'a redonné, la petite flamme. Quoi. Envie. C'est important, ça. Et ouais. je lui dois beaucoup. Ouais. C'est, vraiment. C'est, ouais. Et je... Pourtant, ouais. c'était un gamin hein, quand il est oui, arrivé. Oui, hein, j'ai bien compris. Mais non, il m'a fait beaucoup de bien. Ouais. Et il fait partie, c'est bien au-delà d'un assistant. Ouais. Ici, tu vois, il fait partie des murs, Raphaël. Enfin, il a appris à te réinventer un petit exactement. Peu. Exactement. Ouais, et Audioscope, et Audioscope ouais. grâce à lui ouais. également. Ah ouais. Vraiment. Ouais. Et c'est important. Bon, bah écoute, t'as fait un beau cadeau alors, on peut le dire. Bon. Mais on a fait un beau aussi. Hein, Voilà. Ah, bah oui, non, mais bon. Oui. Mais formé à Bérode, ouais. hein, je le dis, ouais. parce que c'est important. Techniquement, il était très au point, hein, ouais. tu vois, très bien formé. Mais humainement, il m'a fait beaucoup de bien. Ouais. Et très bien avec les artistes bon. Aussi. Très important. Bon, bah écoute, il nous expliquera tout ça. Guillaume, merci. Bah, merci à toi, pour ton Nicolas. Accueil. Voilà, on pourrait papoter encore longtemps, évidemment. Mais on va être amené à se revoir, évidemment, puisque je pense qu'il y a des choses à faire. Moi, maintenant, ce n'est pas nouveau. J'ai envie, comme toi, de faire que les gens se rencontrent, voient des choses, écoutent des choses, se rendent compte de choses. Et c'est compliqué de faire ça derrière un écran. Donc, en plus, tu es en plein Paris. On ne l'a pas évoqué, mais tu es en plein Paris. Donc, voilà, ouais, pas de soucis. Ouais, c'est vrai que c'est chouette. Ouais. Facile d'accès, tout ça. Mm. Donc, j'ai envie de dire, pourquoi s'en priver, quoi. Allez, hein en tout cas, tout le monde est volontaire, avec grand plaisir. Ben voilà, ben écoute, on va faire ça. J'ai plein de choses à raconter. Bon, ben voilà, il faut dire les choses, faut pas les garder pour soi. Non. C'est trop triste. Merci encore merci pour ton Nicolas. Accueil et merci tout ça. Merci beaucoup. Et puis à bientôt. Allez. Voilà. Merci. Merci. Raphaël, bonjour. Eh ben bonjour. Voilà. Enchanté. Ben oui, je suis ravi de te rencontrer. Moi de même. Je viens de passer un petit moment avec Guillaume, ouais. qui m'a expliqué que vous travaillez en binôme ici. C'est ça, exactement. Au ouais. studio Audioscope. Ah, il m'a dit plein de bien de toi. Voilà. tu verras les images. Je vais faire de même, alors. Oui, il faut que tu sois gentil, parce qu'elle était très gentille. Ça marche, pas de souci. Et on l'évoquait tout à l'heure avant les caméras. Est un parcours assez, entre guillemets, atypique pour arriver jusqu'ici. Ce serait intéressant que tu nous le racontes. Ouais, bien sûr. Alors, moi, j'ai commencé la musique à 10 ans, en faisant de la guitare classique. Suite à ça, j'en ai toujours fait de la musique, toujours, ensemble de guitare, etc. Et en fait, le son, ça a toujours été un truc qui m'a passionné depuis ma plus tendre enfance, en fait. D'accord. Donc, j'adorais prendre la guitare de mon père et juste frotter les cordes sans savoir en jouer. J'adorais le son que ça produisait. Donc, il y avait déjà ce truc très, très fort. J'ai eu aussi beaucoup de problèmes liés aux oreilles. En fait, j'ai un tympan qui a été remplacé. C'est assez rigolo parce que je suis devenu ingénieur du son. D'accord. Malgré tout. Ah ouais. Et suite à ça, en fait, c'est passé les études normales. Je suis allé à la fac de droit, ça ne m'a pas plu du tout. Et je voulais toujours faire de la musique, j'étais toujours à fond dedans, c'était vraiment ma raison de vivre en fait, ouais. comme nous tous en fait, je pense, dans ce milieu. Je suis parti sur Paris, j'ai commencé une école qui ne me plaisait pas du tout, et je me suis retrouvé un peu dans une situation complètement de désillusion. Mm-hmm. Suite à ça, j'ai refait une porte ouverte à Bérode Institute, qui venait d'ouvrir à 2 ans, je pense. Mm-hmm. Et ça m'a plu tout de suite. J'ai senti que j'étais dans un univers qui allait me porter. Et ça a été vraiment fructueux. Et j'ai appris énormément de choses là-bas. Enfin, les intervenants sont excellents. Ouais.
J'ai rencontré Pierre Jacquot, François Gauthier, Jean-Philippe Boisson, qui sont des gens passionnés et qui transmettent leur passion. Et c'est surtout que c'était à Bayreuth Studio quand même, qui faisait l'école. Donc il y a quand même une notoriété. La remise de diplôme dans le studio des Beatles, c'était assez incroyable. J'ai passé 2 années excellentes. Ouais. Et suite à ces 2 années, en fait, j'ai eu un stage, un workshop ici, à Audioscope. Ouais. Donc à l'époque, il y avait une MCI 636 ici, à la place de la SSL. Et en fait, j'ai trouvé ça super intéressant déjà d'aller quelque part. On ne connaît pas du tout le studio, de rencontrer Guillaume qui, je suis allé qu'une journée parce qu'il n'y avait plus de place. Ah oui. Pour le mix en plus, même pas pour l'enregistrement, et j'ai trouvé ça génial. Enfin, j'ai trouvé le lieu, forcément. Ouais, c'est difficile. Quand on rentre dedans, on se sent pas dans un studio commercial à part entière, on se sent aussi un peu chez nous. Dans même un salon, ouais. Dans un salon, c'est ce que je disais à Guillaume. Il y a un truc très cosy. Très englobant, très cosy. C'est vrai. Donc bon, franchement, je me suis dit, faut que je demande un stage ici. Ouais. C'est passé les grandes vacances, et en octobre, j'ai commencé un mois de stage, et je suis encore là. Ouais, voilà. T'es pas parti encore. Je suis pas encore parti. Mais tu n'es plus en stage. Et je ne suis plus en stage. Puisque tu as évolué dans la structure. C'est ça, exactement. Je travaille de manière quasiment 99% du temps ici, au sein de l'Audioscope. Et je suis super fier de ce que c'est devenu en 3 ans, depuis que je suis là. Je suis super fier de travailler ici. Ouais. Et c'est du plaisir. Enfin, j'ai énormément de chance. Énormément de chance. Alors, Guillaume m'expliquait que tu jouais un rôle très important ici, qui a une importance capitale dans, dans un studio, c'est que tu es assistant. C'est ça. Entre autres, tu es ingénieur du son parce que tu es autonome. Oui, sur les séances, mais ça peut changer. Mais avec lui, tu joues un rôle d'assistant. Et ça m'intéresserait que tu nous expliques qu'est-ce que tu fais, le rôle d'un assistant, parce qu'on parle beaucoup effectivement du métier d'ingénieur du son, qu'effectivement on sait, Guillaume l'a évoqué, on gère une séance, on a tous des tâches bien précises à faire, on travaille en équipe. Mais un assistant, et on disait ça, qu'une bonne séance, c'est aussi à travers un bon assistant. Alors comment toi déjà tu te situes par rapport à ça? Comment tu as su franchir ce gap? Parce que quand on est stagiaire, on au début, on observe, on sait comment ça se passe. On fait les petits cafés. Voilà. Ça commence comme ça en fait. Et oui. En fait, ça commence tout bêtement. Les gens arrivent, faut être souriant, accueillant, les mettre dans une ambiance de travail tout de suite cool, qu'ils se sentent chez eux. Donc c'est tout bête, est-ce que tu veux un petit café, un thé? Ça c'est la base, vraiment la base. C'est tout bête. Être serviable, souriant, déjà ça pose les choses. Puis après, de fil en aiguille, t'en viens à regarder l'ingénieur du son bosser. Donc là en l'occurrence c'était Guillaume, j'ai beaucoup appris. Parce que l'observation c'est la première apprentissage, première phase, je pense. Et puis, peu à peu, on commence à se retrouver au Pro Tools, où on enregistre. Alors, au début, on est effrayé par cette magie de pouvoir enregistrer quelque chose et que tout repose, parce qu'il y a une place incroyable qui se passe quand on est derrière un ordinateur ou peu importe. Quand on enregistre quelqu'un, c'est qu'on a tout. Ouais. Tout. On doit tout gérer. Ouais. Donc, la première des choses, c'est de gérer les relations avec les clients, que ça se passe bien, de les mettre en confiance. Et c'est surtout de réussir à gérer le stress que peut engendrer une séance d'enregistrement, parce que l'air de rien, en fait, c'est le capitaine du vaisseau, l'ingénieur du son. L'assistant, en fait, il est là pour aider à ce que le capitaine du bateau s'y retrouve, sache où est stocker les barils de poudre, les barils de rhum. Je prends une métaphore, mais c'est un peu ça. Et qu'on aille dans des endroits parfois inexplorés, ou qu'on aille sur des destinations habituelles, mais que tout se passe impeccablement et qu'on arrive à bon port à la fin, et que tout le monde soit content en fait. Et c'est pas simple. C'est pas simple. Pas toujours en tout cas. Assistant, c'est connaître le matériel du studio. Voilà. Sur le, bout des doigts quoi. Sur le bout des doigts. Voilà, impeccable. Alors, savoir ce qui fonctionne pas aussi pour éviter des situations gênantes, parce que dans les studios comme ici, dans tous les studios analogiques, quand on connaît tout, on sait ce qui marche pas et on sait ce qui marche. Et c'est réussir à... attends, on va faire ça plutôt. Mettre en confiance, arriver à un résultat et que ça soit... Alors, on passe par des étapes où on se trompe, la séance se passe pas bien, des mauvaises séances, c'est normal d'en passer, je pense. C'est comme ça qu'on apprend, de toute façon, il y a...
Oui, c'est il n'y a jamais une carrière parfaite, justement, c'est que des échecs, et c'est les échecs qui font progresser, je pense. Et on apprend des échecs. Mais voilà, assistant, en fait, c'est l'interface entre le studio, l'ingénieur du son, les clients. C'est patcher, c'est créer des pistes, enregistrer, c'est disposer un plateau pour que tout le monde se sente bien. C'est tout bête, mais une installation, ça prend du temps à savoir comment faire une bonne installation. Oui. Éviter que ça soit le bazar, que les gens se sentent bien. Ouais. Quand ils franchissent la porte, quand ils vont en cabine, leur faire un bon réseau casque. Surtout, ça, c'est très important. Bah ouais, tout ça passe par la technique, parce qu'il faut maîtriser les outils. Ouais. Mais comme tu l'as dit, cet aspect relationnel et connexion humaine dans le studio, c'est des petits détails qui font toute la différence. Et c'est ce qu'un assistant gère aussi. C'est ça, un artiste peut te demander un truc impossible, sauf qu'en fait, tout est possible. Alors, moindre mesure, évidemment. Exactement, on s'entend, mais c'est de réussir à exaucer le moindre désir d'un artiste. Un artiste veut enregistrer, je sais pas, live dans la cabine, mais avec les musiciens. Ouais, mais la batterie, elle est à côté. Comment on va faire? Ça va pisser. Bah, il faut trouver des solutions, essayer d'exploiter, de voir si ça fonctionne ou pas. Et souvent, en fait, on a des belles surprises dans ce genre de démarche. Donc voilà, je pense que c'est un métier assez vaste et c'est essentiel dans un studio. C'est vrai que les Anglo-Saxons ont très bien compris que les assistants, c'était des tafs à part entière. En France, c'est un peu plus... C'est vrai. On veut plus devenir ingénieur du son, c'est ce que je comprends tout à fait, mais un bon assistant, c'est, je pense, la clé de la réussite d'une bonne séance. Parce qu'un ingénieur du son ne peut pas tout faire. Il a besoin d'un bras droit, de quelqu'un d'un soutien, bien sûr. Qui gère tout ce qui est technique le plus possible et que l'ingénieur du son se concentre uniquement sur le rendu sonore et la matière sonore. Qu'il n'ait pas toutes les contraintes techniques en tête, parce qu'on sait qu'une contrainte technique en séance, désaxe complètement de l'artistique. Donc ce rôle d'assistant, et tu commences à être autonome un peu. Un petit peu à gérer des séances. C'est ça. Je pense que pour apprendre les rouages, ça m'a mis peut-être 6 mois, 1 an. Ouais. Vraiment pour être tranquille. Gérer le stress aussi, parce que c'est stressant. Travailler dans la musique, c'est un métier stressant. On rencontre plein de gens, c'est des gens... il faut être là. Oui, il y a une forme de responsabilité. On te dit, on te confie un projet, tu es responsable un petit peu du résultat. Alors, on ne peut pas toujours être garant de tout, mais il y a forcément une forme de pression. Faut que tout le monde soit content, faut que tout se passe bien. En fait, on est constamment en train de jongler... Et c'est ça le plus dur, ça le plus dur. Mais une fois qu'on maîtrise ça, en fait, tout se passe bien. Moi, c'est vrai que ça fait pas si longtemps que ça que j'ai eu le déclic de me dire, mais en fait, ce qu'on fait, c'est uniquement enregistrer de la musique. C'est du bonheur, en fait. C'est vraiment du pur bonheur. Hein. Je vais pas citer une phrase à la Patrick Sébastien, mais honnêtement, c'est un des plus beaux métiers au monde, en fait. Et c'est que de l'éclate. Quand tu comprends ça, au-delà du fait de l'aspect technique, etc., une fois que tu maîtrises l'aspect technique, en fait, tu te rends compte à quel point sky is the limit, Vraiment, c'est incroyable. Bah, tu ressens de l'émotion. Je pense que qu'on cherche, c'est de la recherche de l'émotion. Et c'est ça. Et en fait, on arrive, quand tu maîtrises tout ça, au début, tu fais beaucoup de travail sur toi-même, je pense. Ouais. Beaucoup de travail sur les autres aussi, mais au-delà de ça, quand tu maîtrises tout ça, en fait, tu te rends compte que ce que tu vas atteindre, c'est l'émotion. L'émotion d'une chanson, capturer le feeling, capturer ça, et faire en sorte que tout se passe bien pour capturer l'ambiance dans la cabine. Boum, on enregistre, allez, ils sont chauds. On attend 5 minutes de trop, c'est fini. Le truc disparaît. Personne n'est parfait. Une fenêtre de tir en séance où on est bon, les musiciens. Les musiciens de studio ont plus de bouteilles, donc ils savent canaliser cette énergie-là. Mais il y a un truc qui se passe, et quand ce truc se passe-là, il faut être prêt à appuyer sur REC. Ouais, il faut être... prêt et tout, c'est super important. Non, mais c'est une très belle, très beau résumé que tu nous donnes là. Alors, à la suite de tout ça, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour finalement que tu puisses continuer à développer, à être épanoui comme tu as l'air de l'être. C'est ici, ça, je suis totalement épanoui. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter? Que ça soit encore plus cool, qu'on ait des super projets, qu'on continue d'enregistrer sur le magnéto, que ça pousse. Là, on a un petit deux pistes qui vient d'arriver, qui est en train d'être réparé. C'est des petites étapes comme ça, et ça se fait dans la passion et dans le professionnalisme, en fait. C'est ça. Et ce qui est génial, c'est de... Qu'est-ce que je peux souhaiter? Ça continue, Honnêtement, que ça continue simplement. Et que ça se passe toujours aussi bien,
Alors malgré la dernière pandémie qui fait des dégâts quand même, mais malgré tout on garde la tête hors de l'eau, quoi. Même si ça a été une période difficile et c'est encore une période difficile pour le monde de la musique, quoi. Voilà. Bah écoute, je te souhaite alors de continuer. Bah merci beaucoup, en tout cas. Une belle carrière ici avec Guillaume, dans ce lieu magnifique. Ouais. Je pense que vous êtes bien installé. Ah oui, ouais. Vous c'est avez une belle mentalité, un bel état d'esprit. On voit que vous êtes un amoureux des machines, de la musique, du partage. De l'émotion. Et c'est des valeurs qui me parlent beaucoup. Ça se sent, je l'ai immédiatement senti. Bon, bah écoute. Donc voilà, je te souhaite plein de bonnes choses. Merci beaucoup en tout cas. Voilà. Et puis, comme je disais à Guillaume, on va se revoir, on va faire des choses, on va essayer. J'espère. On sera très heureux de vous accueillir. On va essayer de se caler. Ce serait top. Et moi, je regardais beaucoup les vidéos devenir un gesso. Ah ben voilà. Je dis pas ça pour. Mais honnêtement, j'ai regardé pas mal de vidéos de devenir un gesson. Et pareil, je te retourne le compliment, on sent beaucoup la passion. Et ça se ressent vachement. Bah écoute, c'est gentil. Mais de toute façon, c'est des valeurs pures, donc en fait, quand c'est pas vrai, ça se sent direct. Oui. Et là, c'est pas le cas. Voilà. Et c'est super intéressant, enfin, on apprend plein de choses. Et voilà. Bah c'est gentil. Très heureux en tout cas de. Ben voilà. Plaisir partagé. Faire partie de la famille. Ben voilà. À très bientôt. Et bah à bientôt. Merci à toi. Merci beaucoup. À plus. Allez, salut.